Jésus Seigneur, et aux agneaux manaux, chemin de terre, chemin de foi, voie millénaire de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les agrès. Outréa, outréa, Jésus Eia, Eus Adio Mano, et tout là-bas au bout du continent, Messire Jacques nous attend, depuis toujours son sourire fixe, le soleil qui meurt au Finistère. Outréa, outréa, Jésus Eia, Deus Adio Vano. Bon ben voilà, c'est le moment de partir, il est 8h quelque chose. Je pars plus tôt que d'habitude là, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'était sympa cette petite ferme Ganeco Extesa, enfin je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà, si vous arrivez à voir l'orthographe, c'est marrant, c'est sympa. C'était rigolo. Allez, on y va. Je pense que c'est plus bas. Le matin, on glisse énorme.
peut y trouver du fromage, du chorizo, du jambon, du saucisson. Je vais vous dire tout de suite si c'est bon. Je vais m'asseoir là et je vais en manger un petit bout. Par contre, il n'y a pas de pain. Bon, mais c'est pas très grave. Tout mignon, moi il se cache sous la voiture, mais toi tu te caches pas. Tiens un petit peu, mon Dieu mignon, regarde-moi petit chat, tu es très mignon. Tu n'as pas l'air gentil mais tu as l'air très mignon. Et toi aussi tu as l'air très mignon, vous êtes mignon comme tout, mais tu viens manger même. Tu viens manger mon plat de riz avec mon poulet, toi. Regardez-moi ce petit chat qui avait peur tout à l'heure, mais qui là vient s'approcher de plus en plus de mon assiette. Et puis il y a le petit chien aussi derrière. Non, petit chat. J'ai une idée un peu médiocre en fait, parce que j'ai nourri les deux petits chats là avec mon assiette. Et puis en fait, regardez. Il y en a encore un quatrième. Je ne sais pas où il est. Ils sont tous là. Les petits chats, les gros chiens. Bon, une petite pause sympa, en fait. Le monsieur a bien voulu me faire un petit truc à manger parce qu'en fait, il y a tellement peu de monde qui passe pour lui demander des casse-croûtes que finalement, il a arrêté d'en faire, je présume. Mais bon, voilà, il m'a quand même donné une assiette assez copieuse de poulet. Je crois qu'il y avait un poulet entier, hein, pratiquement, à l'intérieur. Ou alors les poulets sont très très gros ici, c'est possible. Voilà, bon, bah, c'était sympa cette petite pause chien-chat-poulet. N'est-ce pas? Oh, regardez-moi la bouille de celui-là. Bon. Eh bien, on va continuer, là, ça va peut-être être un peu plus facile. Il me reste encore 10-11 km, là. Donc, en gros, j'ai dû faire la moitié. Hein. Mais je suis un peu crevette ce matin, là, j'avoue que je suis pas dans une forme extraordinaire. Bon, c'était des petits chats peureux, mais là, ils sont beaucoup moins peureux maintenant qu'ils savent que l'on peut leur donner à manger. Et puis le gros chien aussi, oh là là, ils sont tous bien mignons, enfin j'ai plein d'amis là. Bon, vous êtes bien sympathiques tous là. On va reprendre le chemin, on va continuer. Mon doudou. Trop mignon. Trop mignon. C'est la guerre. Petit chapouille.
Et oui, c'est mes amis maintenant. C'est ça. Il suffit d'avoir du poulet, on peut se faire des amis. Voilà un bien gros chêne. Au plus large, je pense qu'il fait largement plus de 3 mètres, avec les racines, je dirais 5 mètres. Et au plus bas du tronc, là, on est à 2 mètres 50, 3 mètres, facile. Il est énorme. Bon, ben, on continue. C'est par là-bas. Là-bas, il y a un petit village. Mais on n'y passera pas. Allez, on continue. Bon, je suis arrivé à Saint-Jean. J'ai vu ce camping. Bon, il y a un petit âne là-bas, sympa. Avec un monsieur avec une tente, je sais pas si c'est son âne. Puis il me semble qu'il y a un autre poney là-bas ou oh, même deux. Et voilà, et je suis un peu fatigué. Je vais me poser. Ce qu'il faut que je fasse, en fait, c'est que je dorme un peu plus que 8 heures, en fait. Ouais, donc, ben voilà, je vais camper ici, puisque c'est un camping. Et ben, voilà, et puis j'uploaderai la vidéo demain, parce que là, pour le moment, là, il y a zéro Wi-Fi ici. Enfin, tout au moins, j'en sais rien s'il y en a. Je saurai ça plus tard, ce soir, quand le monsieur viendra, parce qu'il vient vers 18 ou 20 heures. Donc, allez. Bon, bah, Flappy, hein. Je suis Flappy Mou, là. J'ai même mal aux pieds, ce qui est une chose qui m'était pas arrivée depuis un moment. Bon, j'ai fait mes 20 bornes, peut-être un peu plus, je sais pas. Toujours est-il que voilà, là j'ai planté la tente et je me suis directement allongé parce que je suis complètement vanné. Bon, on verra demain comment les choses se passent. Là je suis à Saint-Jean. Donc, ben, on verra ça demain. Et puis pour l'upload de la vidéo, ben, je verrai ça demain aussi, parce que là, je ne suis pas sûr qu'il y ait de la Wi-Fi dans ce camping. Bon, là, pour le moment, il y a des bruits de machines et puis un peu le bruit de la route, mais j'imagine que le soir, ça doit être assez calme. Voilà, et puis je suis tellement crevé, de toute façon, que, en fait, je m'en fous. Bon, à plus. Bon, ce matin, j'avais pas très envie d'en parler, mais on le voyait pas très bien hein, sur le lever du soleil, mais ils avaient déjà commencé à épandre comme des sagouins. Et là, on peut voir qu'ils continuent à épandre comme des sagouins. Voilà, là, on a 3, 4, 5, 6 chemtrails alignés. Et voilà, et la couche nuageuse est là-bas, donc bon. Voilà. Comme d'hab, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est ce qu'ils vous sortiront un jour. Là, ils vous disent que ça n'existe pas, mais bon, quand il y aura trop de gens qui auront aperçu quand même qu'il y a un petit souci, bah, ils leur diront, bah, vous savez, c'est pour votre bien, c'est pour essayer de gérer le réchauffement climatique. Voilà, bon, allez. On va s'arrêter là, je vais vous dire bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, tutti quanti, et puis je vais vous dire bah, à demain, hein, parce que là, moi j'attends d'avoir réglé le monsieur, et après je vais au schlof. Hein, voilà, je suis un peu crevette et j'ai besoin de dormir, donc si je dors de bonne heure, c'est pas très grave. Un soleil bien... Bien,
bien derrière la brume, on est dans plein dans un nuage. Il est 10h du matin, la tente est trempée. J'avais un petit peu pensé aussi que ça allait faire sécher ma tente. C'est râpé. Bon, en même temps, j'ai roupillé comme un sagouin là. J'ai roupillé, je crois, à partir de 16h30 hier. Et bon, et là j'ai traîné jusqu'à maintenant. Et c'est très bien parce que ça m'a permis de me reposer parce que j'étais un peu fracassé. Le petit âne. Bon, en fait, il est 9h35 là maintenant. Il était donc pas 10h, mais pas loin. Et ben, le soleil, il est derrière la brume et on est en plein dans une brume brumeuse totale. Et je sais pas du tout quand est-ce que ma tente sera sèche parce que là, de toute façon, j'ai pas du tout envie de remballer le truc. Tout mouillé avec un kilo de puce en flotte ou plus. Ouais, c'est. Ben, je sais pas, je suis dans l'expectative. Je ne sais pas ce que je vais faire. On va voir ça. Bon. Je suis un peu perplexe. Je suis un peu perplexe parce que là je sais pas si ça va finir par sécher un jour. On va voir. On va essayer. Bon, les sanitaires sont pas super clean. Quand je dis pas super clean, je veux dire plutôt super crade en fait. Bon. C'est pas grave parce que quand je suis arrivé hier, j'étais tellement crevé que c'était pas tellement mon problème, je dois dire. J'avais surtout envie de me poser, chose que j'ai faite, et j'ai effectivement bien roupillé pour le coup. Mais du point de vue des sanitaires, je pense qu'il est à peu près hors de question de prendre une douche là maintenant là. Parce que d'abord ça caille dans un premier temps et ensuite parce que c'est crasp quoi. C'est alors j'ai compris hein, j'ai vu le monsieur hier, le monsieur est assez fatigué, il se déplace en voiture en fait parce que je pense qu'il a du mal à marcher déjà et donc il a pas de personnel pour s'occuper du camping. Vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas énormément non plus de campeurs. Donc voilà, bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça, on va quand même attendre que ça sèche. Et puis je vais voir. Là, de toutes les façons, il est. Peut-être un peu tard pour monter. À Ronceau. Et puis je vais peut-être pas monter à Ronceau tout de suite parce que hier j'étais quand même bien fracassé et j'ai fait que 21 ou 22 km pas vraiment à plat mais pas vraiment en montée non plus, donc je me dis que si j'ai encore 20 bornes à faire là en montée, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, je vais essayer de le faire un peu souple pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Alors, je pense que comme j'ai pas pu uploader la vidéo d'hier, c'est la suite. Hein. Je vais tout mettre dans la même. La journée d'aujourd'hui et puis celle d'hier. Ça fera une vidéo avec un format à peu près normal, on va dire. Bon, je vous tiens au courant. On va voir comment les choses évoluent. Voilà, ça c'est la maison du monsieur qui a le camping. Je suis venu le régler parce que sinon,
Sinon, je serais parti sans le payer et c'est pas bien de ça. Alors, bah voilà, je vais revenir là, je vais essayer de faire sécher ma tente. Et puis, en fait, le chemin est là. Allez, on va continuer. Bon, il est 11h21, mais ma tente est toujours pas vraiment sèche. Bon, le temps est pourrague, hein, ils nous ont bien pourri le truc, on voit bien là. On voit bien le truc là. Donc, bah, il y avait un monsieur qui me disait tout à l'heure qu'il était monté hier au col, j'ai plus le nom, mais c'était pas à Roncevaux. Hein. Mais il était monté en voiture et bah, c'est le monsieur qui s'en va avec sa voiture. Là. Enfin, ou qui bouge avec sa voiture. Et il me disait qu'il ne voyait pas à 10 mètres. Donc, bah, je sais pas, hein, on va voir comment ça se goupille. Hein. Bon, bah, à plus. Bon, j'ai fini mon petit paquetage et il fait un temps, on va dire, bien pour marcher. J'imagine moins bien pour voir là-haut. Mais je ne sais pas si je vais me renseigner un petit peu parce que comme j'ai aucune 4G en fait, aucun réseau, hein, tout simplement, je peux même pas appeler, donner un coup de fil ou envoyer un SMS. Je vais essayer de passer à la poste. Cela dit, là, ça va pas être la bonne heure pour passer à la poste. Je sais pas. On va voir. Allez, on continue. Et là, pour le coup, la chapelle est ouverte, donc on va y rentrer. Une petite chapelle basque. Et on continue. J'ai vu c'est que tous les gîtes étaient marqués complets, donc je ne sais pas si je pourrais ou pas passer une nuit supplémentaire à Saint-Jean. On va voir. Thank you.
l'heure de la place, donc ben, je vais rester là ce soir. C'est super beau. C'est super beau, Saint-Jean-Pied-de-Port. Ouais, carrément. Ouais, ça c'est le gîte, le chemin vers l'étoile. Et puis j'ai trouvé une petite bière et un petit sandwich et ça va être nickel. Voilà, petit endroit sympa. Et normalement, mon box devrait être là-haut. Mais je vais me poser là, puis manger mon petit sandwich. Et voilà. Bon, bah, ça s'arrange plutôt bien, cette histoire. Là, ça a l'air de se dégager, mais enfin, il doit être autour de 14h, 13h30, un truc comme ça. Bon, on va voir demain matin comment ça se passe, et puis il y a moyen de le faire à moitié. Je pense qu'en 4 heures de marche, on peut arriver à un gîte, voire un refuge. Je ne sais pas si c'est un refuge ou un gîte, mais... Donc voilà, 4 heures, je vais essayer de me faire cette montée sur Roncevaux en plusieurs étapes. Je vais voir si c'est 2, si c'est 3, je ne sais pas. Hein. On va voir. On va voir, on continue. Pas terrible hein. Au départ on se dit bon Saint-Jean-Pied-de-Port ça fait un peu pied paquet land mais en fait non c'est super beau, je suis très surpris parce que je m'attendais pas du tout à un joli village pour le coup, alors que je m'attendais pour un joli village à Navarinx compte tenu de la publicité mensongère qui est faite autour. Voilà, le mieux c'est de pas savoir ce qu'on attend, comme ça on est toujours éventuellement agréablement surpris. Et puis il y a un mur d'enceinte tout autour de la ville. Hein. C'est une ville fortifiée. De la meurtrière. Du mur bien solide. Bon, bah demain, c'est par là que ça va se passer vraisemblablement.
Mais bon, aujourd'hui, c'est ici que ça se passe. Donc 24,5 km pour Roncevaux. Ouais, je pense que je vais le faire au moins en deux fois, compte tenu du dénivelé qui est, je crois, déjà à 7 km d'ici, on est déjà à plus 700. Donc, ouais, il y a de fortes chances pour que je fasse ça en deux fois. Bon, c'est pas grave, vaut mieux le faire en deux fois que pas du tout. On va essayer. Là, on voit bien le mur d'enceinte avec toutes les meurtrières. Très bon état. Bon, malheureusement, là, ça a été un peu détruit. Mais le village est plutôt en bon état. C'est un bien joli village. Thank you.
j'ai fini de faire des vidéos pour aujourd'hui. Je vais essayer d'aller dîner en ville. On va voir comment ça se passe avec les droits qui nous sont restreints. À nous, les vilains non vaccinés, hein, n'est-ce pas ? Ceux qui ne pensent pas à votre grand-mère, bien sûr. Donc, on va voir. Voilà, mais pour la soirée, là, je vais arrêter de filmer. La vidéo est déjà bien longue, me semble-t-il. Voilà, et ben, je vous dis à demain pour la montée vers Roncevaux. On va voir comment cela se passera-t-il. Allez, à plus. Ciao.